Partage, complicité, convivialité, mais surtout beaucoup d'amour, c'est le contenu de l'assiette qu'on vous propose aujourd'hui. Évidemment, vous le savez, trois couples vont s'affronter amicalement pour tenter de remporter 200 000 francs CFA et un week-end en amoureux. Mais avant ça, ils vont devoir affronter toutes les épreuves de cette compétition. J'espère qu'ils sont prêts. D'ailleurs, le moment de le découvrir est arrivé. Madame, monsieur, couple et cuisine, c'est parti! Voici les canons. Monsieur est artiste chantre et madame est commerçante. Ils sont ensemble depuis 11 ans. Vous êtes bon, vous êtes sympa. Merci beaucoup. Vous êtes là pourquoi? On avait préparé. Vous avez préparé. Donc vous savez préparer? Bien sûr. Monsieur aussi s'est préparé, j'entends ça. Il paraît qu'il y a 3 ans, après l'ouverture du maquis de monsieur, il y a quelqu'un qui a souhaité qu'on rajoute, je ne sais pas, des braisés. Et puis à un moment donné, c'est devenu visio. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des clients une fois qui ont commandé un poisson braisé. Ah là, c'est chaud. Moi, je ne sais pas faire. Il dit, oh, faut faire, je vais t'aider. À Jacquesville, j'étais le plus grand braiseur de poisson de la vie. Les choses du passé. Donc, on braise le poisson, on commence, on assaisonne tout, on met sur la grille. Malheureusement, le poisson ne décolle pas pour qu'on puisse retourner. Donc, je l'appelle champion. Comme toi, tu es le plus grand braiseur de Jacquesville. Viens m'aider. Il soulève deux gros couteaux là. Il commence à gratter les grilles, c'est ça qu'il s'agit. Il a dit retourne le poisson. En lieu de décoller le poisson, tu vas retourner. Le plaisir de Jacques Villiers. Recevez Monsieur et Madame Yapo pour votre gouverne. Participer à cette émission était une idée de Monsieur Yapo, très passionné par la douceur de sa femme. Il a tenu à être des nôtres. Votre rencontre est assez atypique parce qu'elle a commencé par un souhait. T'as dit, il y a quelqu'un qui a souhaité quelque chose sans savoir même que c'était déjà calé. Madame, expliquez-nous. On s'est connus par un de ses amis. Donc, il m'appelait à chaque fois. Bon, je regardais, mais ça ne me disait rien. Parce que je ne le connaissais pas physiquement, il ne l'avait jamais rencontré. Et donc, un soir, il est venu à mon travail, à mon service, et il s'est présenté, et puis il me demandait un peu de renseignements sur ce que je faisais au travail. Maintenant qu'il a fini, ok. Je reviens prochainement pour venir déposer mes habits ici. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Et quelques minutes après, moi je vois mon patron, il dit monsieur, est-ce que vous avez vu le jeune homme qui vient de rentrer ici? Il a dit oui. Il dit ah, le jeune là, il me plaît beaucoup. Si c'était mon mari, ça allait me plaire. Il dit hé, toi Chris. Et donc après, il me rappelle dans les minutes qui suivent et il me dit tu as vu le monsieur qui vient de passer ici tout à l'heure? Il dit oui. Il dit c'est moi. Donc il a dit ça, vraiment, j'étais étonnée. Je suis tombée même de nuit, j'ai dit « Ah, c'est quoi ça encore ?» Donc c'est là qu'on a commencé à échanger et puis on est là jusqu'à aujourd'hui. Découvrons les tapés, notre troisième couple. Vous vous êtes rencontrés comment? C'était lors de la soutenance de l'ami à ma petite sœur. Quand ils sont rentrés à la maison, elle m'a fait savoir qu'elle avait un ami qui m'avait aperçu et tout, qui voulait mon numéro. Donc la condition qu'il avait posée, c'était si tu me remets le numéro de ta sœur, j'achète le ticket. Ta sœur aussi, des... Bon, elle m'a informée. Elle lui a dit, bon, comme c'est pour le ticket. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Donne mon numéro. Donne, c'est pas grave. Et le résultat est là. Ouais. Est-ce que vous aimez chez elle? Ce que j'aime chez elle, c'est son intelligence et puis sa persévérance. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous aimez chez lui? Sa tendresse, c'est un homme très aimant. Voilà, très doux. Très doux. On va vous laisser aller respirer un tout petit peu, vous refaire une beauté et puis on se retrouve pour la suite de la compétition. C'est bon? Vous êtes prêts, hein, j'espère? Ouais. Toujours. Ok, à tout à l'heure. Première épreuve de la compétition, le juste poids ou sinon le juste volume pour cette saison. Aujourd'hui, 40 centilitres de lait à mesurer en 2 services maximum. C'est le défi du jour. Let's go! Monsieur et Madame Tapé, 40 centilitres de lait à mesurer. Ouais, je te dis. Hein. En 2 services maximum. Top, c'est parti. Être confronté à cette épreuve n'est certainement pas le plus difficile. Mais il faut se rapprocher le plus possible du volume indiqué. Ouais, vas-y. 28 centilitres. Tu maîtrises. Vas-y. Je pense. Ouais, tu es une championne. Bon, laisse. Vas-y, vas-y. Ça joue, ça joue, ça joue. Alors, combien? 45. 45 centilitres. Félicitations, vous avez perdu. Merci.
deux services. Alors, vous êtes à combien? 49. Félicitations. Vous avez largement dépassé, c'est bien. Bravo. Bravo. Je n'ai aucune idée de ça. Laisse tout. Ah, on est à combien? 24. Donc, prends 40 à peu près la même chose qui t'a pris. C'est ça qui t'a pris? Oui, c'est comme ça que c'était? Oui, on sera à peu près. Dis-moi un peu. C'est bon? Un peu, on va. Ah. C'est bon? Mets tout, n'aie pas peur. T'es sûr? On a dépassé. Mets tout, n'aie pas peur. C'est fini. 38. 38. Bravo, vous êtes encore dans la course. Nos couples sont en place, la compétition peut enfin démarrer, mais avant ça, je vais essayer de savoir ce qui se passe un peu dans vos différents intérieurs. Monsieur, si aujourd'hui madame décide de prendre une cuisinière parce que ses activités sont prenantes, est-ce que vous accepteriez de manger la nourriture de la cuisinière? C'est cool. Pas tous les jours, mais quand elle est disponible, je sais faire la cuisine, tant mieux. Tout le temps, madame. Attends, mais est-ce que vous rendez compte quand même? Imaginez-vous, la dame, elle travaille, elle a les enfants, vous avez les mêmes horaires. Mais elle doit rentrer à la maison pour cuisiner pour que vous puissiez manger. Non, là, on peut réajuster. Mais tant qu'elle est à la maison, je ne peux pas manger la nourriture de quelqu'un d'autre. Bah, c'est sûr. Est-ce que vous accepterez de manger la nourriture de la cuisinière? Pourquoi pas? C'est... Sans problème. Sans problème. Donc, c'est la question du micro-trottoir. Que pensez-vous des personnes qui ne mangent que lorsque leur partenaire fait la cuisine, même quand les deux conjoints travaillent? Voici vos réponses. Je pense que c'est trop exagéré. Parce que autant vous êtes fatigué, elle aussi elle peut être fatiguée. Même le matin avant de sortir, on fait un programme. Je serai fatigué, je ne pourrai pas préparer. Donc, ensemble, on décide de qu'est-ce que nous allons manger le soir. Non, mais je pense que ça consolide vraiment les liens. C'est l'expression vraiment d'un attachement à sa conjointe, à sa partenaire. Alors là, ça ne sera pas facile. Si la femme ne fait rien, il n'y a pas de problème, mais si nous, on travaille, bon, il va devoir se débrouiller. Les week-ends, je peux préparer, faire la cuisine, il n'y a pas de souci, mais les jours là où nous, on travaille, il va devoir se débrouiller. Nous qui avons l'habitude d'acheter la nourriture à manger dehors, là, si jamais on se marie et que la femme ne peut pas, ça ne nous dit rien d'aller acheter de la nourriture pour manger. Bon, alors, mesdames et messieurs, vous êtes là pour cuisiner, n'est-ce pas? Ok. Qui reste en cuisine, donc? C'est vous? Aïe, le braiseur de Jacquesville, c'est pour moi. C'est vous, madame? C'est Mme Tapé qui va se taper la cuisine? Bon, arrêtez. Non, franchement, arrêtez. Bien, ça, c'est ce que vous voulez. Ce qu'on va faire, nous, c'est le tirage au sort pour décider qui reste en cuisine. C'est tout de suite. Monsieur Mme Yapo, vous êtes premier à tirer au sort. Il ne cuisine pas vraiment à la maison, mais il est désigné pour être celui qui va représenter les Yapo. La vie qui est là. En plus du riz blanc et des omelettes, Monsieur Tapé va devoir ajouter une nouvelle recette à sa carte. Montrez. Monsieur Tapé. Oh, l'émission d'aujourd'hui, ça sera chic. C'est Monsieur Tapé. Seigneur, entends ma prière. C'est Madame qui prend les commandes dans le camp des canons. À présent, découvrons ensemble le plat du jour. C'est parti. La recette que nos candidats devront réaliser aujourd'hui est la très célèbre soupe de carpe. Plat qui est un vrai régal et qui s'accompagne en général d'attiéké. Tout le monde est prêt, le plat du jour est connu, le moment est venu de passer à la cuisine. Cuisine! Avant de se séparer, nos couples s'encouragent comme ils peuvent. Tu es stressé, pas trop stressé. Je suis pas stressé. Je veux qu'on fasse le maximum avec mes pâtes. Voilà. Et puis là, quand il sera en train d'écraser après, là, tu ajoutes Akmi là dedans. Okay. Voilà, quand ça va cuire, donc il faut mouiller avec. Bien. Mouille avec de l'eau. Ah, apparemment, l'écrase, d'accord. Il ne faut même pas avoir peur. C'est comme moi je comprends. Quand je... Ça, là, il est comme ça. Fin du coaching. Stop. Fin du coaching. C'est fini. Les saisons de couple et cuisine se suivent et nos candidats savent maintenant que, comme dans la vie à deux, chaque conjoint doit jouer sa partition. Pendant que certains cuisinent, les autres doivent se plier à d'autres exercices. Comment s'en sortiront nos candidats, surtout les moins bavards? Le principe de la prochaine épreuve est simple.
Nos candidats vont devoir répondre à des questions en disant bien évidemment la vérité. Aussi, c'est trop compliqué manger. Mais pour marquer des points, il faut que leur partenaire respectif puisse donner la même réponse qu'eux. Vous l'avez deviné, c'est l'heure du manger ou vérité. Madame Tapé, oui. Bienvenue dans le manger ou vérité. Première question, pour vous, une soirée crac-crac-boum-boum avec votre chérie qui se termine super bien et dont les bons souvenirs vous reviennent le lendemain. Qu'est-ce qui se passe? C'est 30 minutes de discussion, une heure de câlins et romantisme ou deux heures de choses sérieuses entre adultes? Romantisme. Ok. Quel est le nom de l'ami de votre conjoint que vous n'aimez pas? Oula, non, j'ai... On n'a pas? Non. Alors, depuis que vous êtes en couple, qu'est-ce que vous regrettez de votre vie de célibataire? Rien. Ok, d'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est tout pour le moment. Merci. Suivant. Entre votre mère, votre père et votre conjointe, qui est votre plus belle source d'inspiration? C'est ma mère. Combien de temps a duré votre premier baiser avec votre femme? Est-ce que c'était 5 secondes parce que c'était un baiser volé? Est-ce que c'était 10 secondes parce que vous étiez déjà bien parti? Ou est-ce que c'était 1 minute parce que bon... C'était géré quoi? 10 secondes. Votre ex vous appelle en présence de votre femme. Mm-hmm. Et apparemment, votre femme se rend bien compte que c'est votre ex qui vous appelle. Vous faites quoi? Vous ignorez l'appel, c'est déjà trop compliqué, on ne va pas en rajouter. Vous décrochez et vous lui dites d'un ton sec que vous êtes occupé. Il fallait quand même rassurer votre femme. Ou alors vous parlez normalement, votre partenaire sait qu'il n'y a aucun risque que vous ne retournez pas en arrière. Et c'est la troisième réponse. Ok, elle est sereine. Toujours. Toujours. Première question. Quel est votre plus grand sujet de dispute avec votre mari? Bon, peut-être, je peux dire, quand j'ai fait la cuisine et puis... C'est au moins arrivé plus d'une fois? Oui. D'accord, on garde celle-là. C'est okay. Bon? Ok. Madame Yapo, oui. Est-ce que vous avez déjà pris des produits pour agrémenter votre vie de couple? Comme on appelle, secret de femme, quoi. Le secret de femme. Non. Jamais? Jamais. Vous marchez dans la rue, un beau garçon, votre genre, quoi, comme votre mari, grand, beau, vraiment, Kidja. Il vous sourit. Vous faites quoi? Vous ne remarquez même pas? Bon, parce que vous ne voyez pas. Hein? Vous souriez également, mais vous passez votre chemin. Ou bien vous espérez qu'il vous fasse un petit coucou. Vous le saluez même si vous n'avez aucune idée derrière la tête. C'est plus fort que vous, vous aimez bien regarder les jolis garçons. S'il sourit que je ne le connais pas, je ne vais rien faire, je vais... continuer mon chemin. Ben voilà, c'est sur cette réponse qu'on termine avec le manger aux vérités, la suite. Tu me distrais. Tu remets juste. Voilà. Wow. Mmh. La sauce est épaisse. Moi, ça sent bon. Non, c'est bon, c'est la vie. C'est, souvent, magnifique, hein. c'est magnifique. C'est magnifique. Fin de la cuisine. Madame Canon, je vous ai vu aider les garçons. C'était bien, ça c'était vraiment beau, c'était cool. Bravo les gars. Vous avez cuisiné, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on va passer à la dégustation. Bon voilà, le moment est venu de déguster cette petite soupe de poisson. Alors je rappelle que le principe, ce n'est pas de trouver le meilleur plat, mais plutôt aux partenaires respectifs de trouver les plats de leur conjoint. Parmi tous ces plats, vont-ils y arriver? La réponse, c'est tout de suite. Le moment est venu pour vous de retrouver le plat de votre mari. Déjà visuellement, est-ce que vous pensez que vous en êtes capable? Non. On va déguster alors? D'accord. Alors, est-ce que vous pensez avoir trouvé le plat de votre mari? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mitigée. Vous êtes mitigée? Mm-hmm. Est-ce que déjà vous pensez avoir trouvé le plat de votre mari? Je pense. C'est votre dernier mot, évidemment. C'est mon dernier mot. Est-ce que vous êtes sûre d'avoir trouvé le plat de votre mari? Oui. D'accord, très bien. Merci. Visuellement, êtes-vous capable de reconnaître le plat de votre femme? Oui, moi je vais goûter. Oui, ok. Mais visuellement, vous pensez à quel plat?
Je pense à celui-ci. Celui-ci, d'accord. Elle est comment cette sauce? C'est bon, ça passe, c'est bon. C'est bon? Oui, madame. Mais est-ce que vous reconnaissez la touche de votre femme? Je pense que c'est celle-là. On déguste les autres ou on reste sur cette sauce? On va rester sur cette sauce. Vous hésitez? Et c'est votre dernier mot. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir trouvé le plat de votre femme? Je suis sûr. Très bien. Merci, monsieur Canon. Alors, est-ce que déjà visuellement, vous pensez avoir trouvé le plat de votre mari? Je ne pense pas. Alors, est-ce que vous pensez avoir deviné le plat de votre mari quand même? Oui. C'est lequel? Celui-là. Allez-y. Madame Yapo, est-ce que vous pensez avoir trouvé le plat de votre mari? C'est oui ou non? Oui. Très bien, merci. Il vous en manquait un peu? Beaucoup? Beaucoup. Beaucoup, hein? Voilà. Pendant que M. Yapo était en train de cuisiner, vous, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai répondu aux questions. T'as des questions? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait répondre ou il fallait manger? D'ailleurs, le moment est venu de découvrir les réponses des différents partenaires et c'est dans le Manger Vérité 2. Autant vous le dire, une mauvaise réponse peut s'avérer fatale pour le duo. Première question. On a demandé à Madame Yapo quel est le sujet de dispute récurrent. Et au sujet de la cuisine, elle trouve que je suis difficile à satisfaire en cuisine. Donc peut-être. Hein. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne réponse, c'est ce qu'elle a dit. On lui a demandé s'il avait déjà utilisé des secrets de femme ou des choses pour agrémenter la vie de couple. Jamais. Jamais? Non. Pourquoi? Vous en avez déjà parlé? Non, je la connais. C'est une bonne réponse. Elle a dit jamais. Elle marche dans la rue. Et puis un beau gars la croise, lui fait un regard et puis un petit sourire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dépasse. Elle ne l'a même pas vu. Elle sourit aussi. Parce que bon, c'est pas grave. Elle espère que le gars lui fasse un petit coucou. Elle le salue. Ma femme que je connais va carrément l'ignorer. Vous êtes sûr? À 1000%. C'est une bonne réponse, c'est ce qu'elle a dit. Monsieur Tapé, ouais. Pour vous, une soirée crac-crac-boum-boum qui était bien et le lendemain, vous reparlez de cette soirée-là. Quand vous reparlez de ce moment, c'est quoi? C'est 30 minutes de discussion? C'est une heure de câlin et de romantisme? Ou c'est deux heures de crac-crac-boum-boum encore? Je pense que c'est la première réponse. La première réponse, c'était 30 minutes de discussion? Ouais. Bah non. Elle a dit que c'était une heure de câlin et de romantisme. On lui a demandé quel était le nom de votre amie qu'elle n'aime pas forcément. C'est pas qu'elle le déteste, mais bon. Je pense qu'elle n'a pas répondu. Elle a répondu. Elle a dit personne. On lui a demandé quel était son plus grand regret de sa vie avant de vous rencontrer. Elle a dit qu'elle était célibataire. Je dirais rien. Rien? Ouais. Vous avez dit quoi? Elle a comblé. Elle a dit rien, bien sûr. C'est une bonne réponse, ce qu'elle a dit. Entre sa mère, son père, et vous, qui est sa plus belle source d'inspiration? J'aurais dit moi. Et qu'est-ce que vous avez dit? Ses inspirations, j'ai dit moi. Ah, ok. Combien de temps a duré votre premier baiser? 5 secondes, parce que c'était un baiser volé, furtif, vite fait. 10 secondes, parce que c'était déjà bien parti. 1 minute, parce que l'affaire était pliée. Ça dit que... C'était la première. La première? Un baiser volé. Alors non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit 10 secondes. C'était quand même bien parti. Son ex l'appelle en votre présence. D'accord. Vous voyez bien sur le téléphone que c'est son ex. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ignore l'appel? Il décroche et lui dit à elle d'un ton sec qu'il est occupé, parce qu'il faut vous rassurer. Ou alors, il lui parle normalement, parce que bon, il n'y a pas de risque à avoir. Ah, j'ai vu le nom. Oui. On n'a pas dit que faussement. Bon, je vais parler. Oui, vous pouvez parler, vous avez droit à la parole. Faussement et comment là? On dit si tu es là, d'accord. Normalement, tu seras à te mettre à l'aise, je veux, parce que te connaissant, tu t'en fous, voilà. Donc je décroche, ou bien je laisse l'appel, ou bien voilà. Ah ok, il va décrocher. Je vais vous donner le point quand même. Je vais vous donner le point. Ah, c'est ça, parce que où ça allait partir là? Ça allait être très compliqué. C'est une bonne réponse, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il décroche, mais naturellement, parce que bon, il n'y a pas de risque, ok? Maintenant, ce qu'on va faire, ici là,
On vient pour cuisiner, c'est vrai. On vient pour passer un moment convivial en amoureux, c'est vrai. Mais on vient surtout pour apprendre à se connaître. Ou sinon, s'assurer qu'on se connaît réellement. Donc, on a une rubrique spéciale pour ça. Et la rubrique s'appelle « On se connaît ». On se connaît. Mbiapo, quel était son surnom de jeunesse? Il n'a pas. Non, mais c'est une bonne réponse. Quelle est la qualité que vous aimez le plus chez lui? C'est un bon père, qu'il est responsable envers ses enfants. C'est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il prend en général au petit déjeuner? Il a soit café, soit pain et condiments, soit Garba. Est-ce qu'il a cité? Ah, c'est pas ça, c'est moi, c'est... Non, je prends. Il a cité Garba. Ah. Première question. Pour lui, quel serait le meilleur cadeau de Saint-Valentin? Des mots doux. Vraiment, vous connaissez le monsieur-là. Quelle est la dernière chose qu'il fait le soir avant de s'endormir? Prier. Dernière question. Quelle est la corvée ménagère qu'il déteste le plus? La vaisselle. La vaisselle? Et c'est une mauvaise réponse. Oula. C'était balayé. Quel est l'événement dont elle est le plus fière dans votre vie? Vous voyez pas. Qu'est-ce que vous avez répondu? On a pu d'abord faire un restaurant, puis après la boutique en ligne de costumes. Bon, c'est tous ces projets autour. C'est le business en fait, voilà. En vrai. Ok. Quel est son plat préféré? Plat calé sur scotter. Bonne réponse. Quel mot ou expression elle répète très souvent? Bon, ça viendra pas, c'est sûr. Madame Cadon, vous avez répondu quoi? Parce qu'elle m'a posé la question, elle dit, ah, souvent, elle me dit, hey, Saya. Ou bien, glory to Lord, ça dépend. On va faire le total, mettons des points. Cuisiner avec moins de sel, mais donner un goût extraordinaire et riche en épices à tous mes repas. Et oui, maintenant c'est facile avec le nouveau Magi Tablet Light. Il a 15% moins de sel, mais toutes les épices et le bon goût de Magi Tablet qu'on connaît. Magi Tablet Light est disponible chez tous vos vendeurs habituels. Cuisiner avec magie, ça change la vie. Magi Tablet Light s'engage contre les maladies du cœur, aux côtés du PNLMM. Le moment est venu de faire le récap. Mais avant, on va découvrir qui a trouvé le plat de sa femme ou de son mari. Qui pense avoir trouvé le plat de son conjoint? Levez la main. Vous êtes sûr? Sûr, hein? Ok. Aujourd'hui, je vais annoncer la dégustation avant les autres points. Pour cette nouvelle saison, il y a une nouvelle règle qui s'est imposée. Si vous êtes sûr d'avoir trouvé le plat de votre femme ou de votre homme et que vous l'avez dit, si c'est vrai, eh bien, vous repartez avec 2 points en plus. Si vous avez dit que vous êtes sûr et que malheureusement vous n'avez pas trouvé, vous avez 2 points en moins. La dégustation. Je tiens à préciser qu'il y a 2 couples qui ont trouvé. Les Yapo ont trouvé. Les Tapé ont trouvé. Mais ce qui est bien, c'est que vous repartez quand même avec 50 000 francs CFA et les lots de notre partenaire. Ok, donc là, au niveau de la dégustation, il y a égalité. Mais qui part donc au dos à dos? Qui va aller tenter de remporter la somme de 200 000 francs CFA? Et pour le savoir, sachez que, monsieur Yapo, au juste poids, vous avez obtenu 4 points. Au mangeau vérité, vous avez obtenu 6 points. Au on se connaît, vous avez obtenu 6 points. Et là, à la dégustation, 8 points. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec 24 points. Mais comme madame était sûre de votre plat, ça fait 2 points en plus, donc 26 points. De l'autre côté, les tapés, 0 au juste poids, 2 au mangeau vérité, 4 on se connaît, 6 au total. Donc on rajoute la dégustation, ça fait 14 points. On rajoute les 2 points en plus, ça fait 16 points. Donc franchement, les Yapo étaient largement au-dessus. Donc c'est vous qui partez donc au dos à dos et qui allez peut-être remporter les 200 000 francs CFA. 10 questions, il faut répondre à ces questions-là en 1 minute. Moi, il me faut juste 5 bonnes réponses. Nous allons essayer de décrocher le week-end en amoureux. Qui de vous deux est le plus beau? Qui de vous deux est le plus peureux? Qui de vous deux ment le plus? On passe. Qui de vous deux est le plus demandeur au lit? Qui de vous deux est le plus ambitieux? Qui de vous deux a été à l'origine de la dernière dispute entre vous? Qui de vous deux fait le plus la promotion du pays à travers les vêtements, les destinations, la nourriture, des choses comme ça?
de vous deux un adepte des buzz sur les réseaux sociaux? Qui accroît son téléphone, qui aime toujours s'affairer là-bas? Ok. Qui de vous deux est le moins ouvert et disponible pour les autres? Ok. Le chrono est écoulé. Merci d'avoir participé à cette émission-là. Vous avez eu 6 bonnes réponses sur 10. Repartez donc avec le week-end en amoureux. On peut les applaudir et tout. Monsieur et Madame Yapo, félicitations. Voici votre chèque de 200 000 francs CFA. Comment vous avez vécu cette aventure-là? C'est très bien passé. C'est très bien amusé et ça sera de beaux souvenirs en tout cas. Ça c'est sûr. Aujourd'hui c'est vraiment votre baptême de feu. Vous avez cuisiné, vous avez fait une émission télé et vous avez gagné 200 000 francs CFA et un week-end en amour. Merci infiniment. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Couple Cuisine. Voilà.